Que manger, toi? Ah si. Oh, good boy. Non. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh, t'as faim? Je crois que t'as faim, hein. C'est ça que t'attends. Tu veux des croquettes? Oh, oh. Et là, le goinfre. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog. En ce moment, j'ai le plaisir de tourner des vlogs, donc on va pas s'arrêter. J'ai vraiment des périodes. Aujourd'hui, on est un vendredi et je suis malade. Est-ce que ça se voit à ma tête? Du coup, je me suis dit, bon, ça fait plusieurs jours que je suis malade, mais là, j'ai envie un peu de me reprendre en main, comme on dit. Enfin, dans le sens où j'aime pas rester couchée. Vous avez le bruit de fond d'Atlas qui est en train de dévorer ses croquettes. Ça me va de rester un jour couchée, mais pas deux jours. Genre, hier, je suis restée couchée toute la journée. Enfin, non, je suis quand même allée au bureau, genre, pour pouvoir publier une vidéo YouTube. Mais entre guillemets, j'ai glandé, j'ai regardé des films et tout. Ah, je sais même plus où j'en étais, en vrai. Arthur m'a appelé parce qu'il a eu grave des galères à son resto, l'électricité a pété et du coup il a pas pu assurer son service, donc c'était un peu en mode moi essayant de le réconforter. Donc je disais que moi je suis malade et que aujourd'hui j'ai envie de me bouger quand même, de me préparer un peu parce que sinon ça me déprime, déjà que le temps est horrible. Vous avez vu que j'ai un peu rangé avant, j'ai commencé la vidéo un peu plus tard que le dernier vlog, genre j'ai déjà déjeuné, j'ai déjà pris ma douche. Et j'ai déjà promené Atlas, à savoir que c'est toutes des tâches qui me stressent. Non, enfin, surtout promener Atlas, tout le monde n'en parle pas et je pense que j'ai l'impression que plein de gens adorent promener leur chien. En même temps, quand tu prends un chien, t'aimes bien le promener en général. Moi, Atlas, c'était pas un chien que j'ai choisi, c'était le chien d'Arthur, bien avant qu'on soit ensemble. De base, faut savoir, j'aime pas trop les animaux. Genre, j'ai jamais été une enfant qui est attirée par les animaux. Les chiens, j'en avais un peu peur. J'ai découvert Atlas, que j'adore aujourd'hui. Genre c'est vraiment un petit être incroyable et c'est vrai que quand on rencontre un chien et qu'on vit avec, même quand t'aimes pas trop les chiens de base, bah tu te rends compte que c'est un être à part entière et que ça a des sentiments, c'est super câlin, enfin il y a plein de côtés positifs que j'adore. C'est vrai que du coup j'ai pas choisi tout ce côté promenade, avoir quelqu'un à charge en fait. Et moi-même, je suis des fois un peu... Enfin, c'est dur de m'avoir à ma propre charge. Alors un chien en plus, pour moi, c'est comme un enfant. Et c'est assez difficile des fois psychologiquement. Parce que bah, Arthur, il travaille souvent le matin à 6h du matin. Donc il va pas promener Atlas. Enfin, en fait, jamais je lui ferai assurer les deux promenades à trois promenades du jour. Tout seul, étant donné qu'on vit à deux. Même si je l'ai pas choisi. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ce serait d'après vous lui qui devrait assurer toutes les promenades. Mais moi, je trouve pas. Enfin, je trouve que c'est une charge de ouf. Même si c'est lui qui l'a choisi. Aussi, il était plus jeune quand il a pris un chien en plus en appartement. En gros, comme ça. À mon humble avis, c'était peut-être chose pas forcément réfléchi, enfin pas forcément bien pour le chien dans un sens, même si je pense qu'Atlas est un chien très heureux et qu'Arthur s'en occupe très bien. Il y a des gens qui disent ah je pourrais jamais prendre un chien en appartement, mais souvent en fait on dit que les chiens en appartement des fois ils sont mieux traités que des chiens en maison parce qu'ils sortent plus, parce que souvent les chiens en maison ben ils vont rester dans un petit périmètre de jardin toute la journée, ils vont tourner en rond, alors qu'un chien en appartement bah ben, tu vas être obligé de le promener plusieurs fois par jour, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en vrai, je m'inquiète pas trop pour Atlas, il a une belle vie, on l'aime, il est super câlin et tout. C'est juste que moi, dans ma vie de tous les jours, c'est quand même une charge, donc je fais une à deux balades par jour, et Arthur, pareil, une à deux. Moi, je fais celle du matin, en général. Désolée, la luminosité, elle change. Mais en fait, le matin, je dois me préparer et tout, et je sais que j'ai toujours la promenade d'Atlas à faire, qui m'angoisse, parce que j'aime pas. Je pense qu'il faut ouvrir le débat là-dessus, j'aime pas. Enfin, encore, si j'habitais en centre-ville de Lille, franchement, je pense que je kifferais. Aussi, c'est parce qu'Atlas, c'est un gros chien, donc il veut pas rentrer dans les magasins, sinon je le prendrais, enfin... plus de fois à Lille. Les fois où on le prend, c'est genre en été, quand on peut aller en terrasse et tout. Parce que souvent dans les restos, il est tellement gros. C'est ça aussi à réfléchir quand vous prenez un gros chien, si vous habitez en ville. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une galère. Il y a plein de gens qui ont peur. Et moi, ce qui m'angoisse, c'est dans notre quartier. Bah, déjà, c'est pas très agréable, je trouve, pour les balades. Ça, c'est mon humble avis. Enfin, c'est toujours pareil. Ça me saoule, en fait. Je suis pas quelqu'un genre qui adore les balades. Pourtant, j'adore marcher en ville, en fait. À côté de chez moi, il y a rien. Il y a que des habitations, vous voyez. Les gens, ils sont
sont trop... C'est plein de petits vieux qui ont peur, qui aiment pas les gros chiens, je sais pas, qui ont peur pour leurs petits chiens. Des fois, je me fais engueuler, voilà. Parce qu'Atlas, il aime pas trop les autres chiens, donc il aboie. C'est un peu une source de stress pour moi. Mais bon, bah voilà, il est là et bah, je le laisserai jamais sans une balade dans tous les cas. Genre, j'ai trop de culpabilité si je fais ça. Mais c'est quand même une charge mentale pour moi, vous voyez. J'aimerais trop vos avis sur ça en commentaire. Même peut-être vous qui avez pris la décision de prendre un chien et après, vous vous dites un peu comme moi, au final, c'est pas qu'une partie de plaisir, les balades et tout, et c'est une vraie charge mentale comme un enfant. Il m'écoute en plus. Mais voilà, franchement, j'essaye de m'en occuper du mieux que je peux. Arthur aussi, que dire de plus. Là, il est 13h30, j'ai grave faim et je vais faire à manger pour moi et pour Arthur parce qu'il va rentrer après, comme on est vendredi, il travaille pas l'après-midi et il est grave en dep vu qu'il y a son problème d'électricité. Donc je vais faire ça. Ce que j'aimerais bien faire cet après-midi, c'est plusieurs choses. Bon, déjà, j'aimerais bien me préparer. Je pense que je vais faire un make-up, no make-up et plaquer mes cheveux histoire d'être un peu propre sur moi. Ça, c'est important pour le mental. J'aimerais bien tester une application dont Ruby a parlé et qui me donne trop envie, mais il y en a plusieurs des applications comme ça. C'est en gros, tu prends tes habits en photo de ta garde-robe, donc ça prend un peu de temps. Et après, au moins, tu peux préparer tes outfits à l'avance. Ça détourne genre tes vêtements et du coup, tu peux les mettre sur un template et préparer tes outfits à l'avance. Et genre ça, ce serait tellement un truc d'organisation que j'aimerais parce que moi, vu comment c'est fait mon placard et tout, je trouve que je vois pas assez mes vêtements et je mets tout la même chose et je ne m'habille pas à mon haut potentiel et je pense que en faisant cette application j'ai jamais le temps de le faire, donc là je vais un peu prendre du temps pour faire les photos. Bon, je pourrais pas tout faire parce que j'ai vraiment trop de vêtements, mais une bonne partie et je les ferai au fur et à mesure. C'est Wearing App, l'appli, si ça vous intéresse. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien aussi après aller en ville me prendre un bubble tea au matcha. En fait, j'ai envie de me faire un peu, comme je suis en mode malade, genre pas vraiment travailler. Enfin si, au final je veux tourner une vidéo YouTube en fin de journée, mais enfin, en fait j'ai envie de faire une après-midi un peu. Bah, en plus, comme vous savez sûrement, j'ai une stagiaire en ce moment, donc normalement elle est là toutes les après-midi. Sauf que là en plus il y a les grèves cette semaine, donc elle a pas pu venir vu qu'elle vient de Douai. Je me dis c'est un après-midi un peu libre où je peux faire ce que j'ai envie. Prendre un matcha, Gambetta, bubble tea, ça me ferait plaisir. Et je veux absolument, j'espère qu'elle sera encore là. J'avais vu une veste en cuir la semaine dernière quand je suis allée faire les friperies chez Bon Chic Bonne Fripe, une veste en cuir que au final j'ai flashé dessus et je l'ai pas prise parce qu'elle était un peu chère, blablabla. Vous voyez, tout dans ma réflexion de pas trop acheter. Mais genre j'y pense depuis une semaine et j'essaye de trouver des dupes sur Vinted et je trouve pas exactement la même. Donc là je pense que je vais aller l'acheter cet après-midi. Mais les gars, je suis sortie pour Atlas là. Le temps, c'est une dinguerie tellement c'est horrible. Je crois que c'est le pire temps que je déteste. Genre, ça fait du crachat et il y a des rafales de vent. Il fait froid, mais polaire. Et en même temps, il pleut, mais tu peux pas prendre de parapluie, sinon tu vas t'envoler. Donc c'est horrible. Faut que je me motive. Et aussi, j'aimerais bien tourner une vidéo en fin de journée sur les trends du printemps-été. Je pense que ça pourrait être grave cool. Et je pense qu'elle sortira avant ce vlog. Comme ça, ça alterne un peu en style de vidéo. Donc voilà un peu mon petit programme de la journée. Et je vous emmène avec moi. Je trouvais ça sympa. Au final, vous allez trouver que je fais que des vlogs en mode slow, machin. Mais c'est quand j'ai le temps de vlogger et genre de pas penser à autre chose. Mais je vous ai promis de vous vlogger une journée de travail quand je travaille sur la marque et tout. Normalement ce soir on est censé recevoir, enfin aller chercher, mais je sais pas si ce sera ce soir ou lundi, les modèles de ma marque finis, enfin les espèces de samples pour le shooting. Et donc j'ai tellement hâte de voir ça. Enfin, je réfléchis à cette collection depuis grave longtemps et là ça va enfin donner vie à genre tous les dessins et les trucs qu'il y avait dans ma tête. Donc j'ai trop hâte. Donc je sais pas si ce sera dans ce vlog ou du coup dans un prochain. Mais voilà, je parle beaucoup. Je vais un peu ranger ma cuisine en premier, puis après je pense que je vais me faire des pastas. Oh mais j'ai plus de fromage pour mettre dans mes pâtes. Ça c'est la merde. Bon, je vais déjà mettre des trucs au lave-vaisselle. J'ai l'impression que dans tous mes vlogs, je range. Je passe ma vie à ranger. Mais en vrai, il y a toujours du bordel. Et pensez pas que Arthur ne range pas. Il range quand il est là. Moi je suis plus à la maison. Et ça va pas s'arranger quand on aura vu les bureaux. Il y a toujours ma guirlande de LED chelou qui s'écolle en dessous de ma cuisine. Vraiment, ma cuisine, it's a mess. Je me suis acheté des petites pépites hier. C'est-à-dire, ben en fait, comme je suis malade, encore une fois, je me suis dit pourquoi pas prendre. Et vas-y, c'est pas des dingueries. Même quand je passe devant les Kinder, j'en ai pas forcément envie. Je suis pas une bouche à sucre, comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai regardé genre tout le rayon à Carrefour. Qu'est-ce que je peux prendre pour me faire vraiment plaisir? J'avais trop envie d'un bol de trésor.
et de prince. Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas mangé. Voilà un peu mon cheat meal de malade. C'est pas oufissime, hein, c'est pas une dinguerie. Ah ouais, si par contre hier j'étais vraiment en mode la meuf, j'ai mangé un reste de Doritos, tout ça dans le canapé. Pas du tout à mon habitude en vrai, mais faut le normaliser, hein. On se fait plaisir. Je dis des dingueries moi, c'est pas du tout bien ce que je dis. C'est juste que c'est pas à mon habitude d'acheter ce genre de truc parce que ça me donne pas forcément envie et je mange plutôt healthy dans la vie de tous les jours. J'ai quand même caché les princes parce qu'Arthur pour le coup il grignote énormément entre les repas et surtout le soir genre. Comme là en ce moment il a un peu envie de faire une diet, de sécher pour l'été, il m'a dit n'achète pas de choses comme ça. Et moi ce que je fais c'est que j'achète des trucs comme ça, donc fallait que je cache les princes pour pas qu'il craque et après il me le reproche en mode t'as acheté ça. Enfin bref, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je faisais des pâtes. C'est vrai que mon discours il est pas très eating friendly, je sais pas comment dire. Mais genre c'est... Moi vraiment c'est vraiment pas le genre de truc que je mange parce que j'en ai plus envie, genre j'aime plus trop les trucs transformés. Là c'était vraiment en mode envie de malade, vous voyez. Et je me suis dit fuck. Et Arthur par contre il aime bien quand même les trucs comme ça. Mais là c'est son envie de faire une diet, donc voilà, après il fait ce qu'il veut, il a pas trop de troubles du comportement alimentaire. Il mange beaucoup. Si, il a quand même des troubles dans le sens où il grignote beaucoup. Mais comme il fait 6 jours par semaine du sport, ben ça compense forcément. Trouvons des pâtes. Ah non, il m'avait demandé du riz. Ah merde, je passe. Moi j'ai pas envie de riz. C'est une bagarre. Je n'ai pas envie de riz. Au pire, je lui fais des riz et moi je me fais des pâtes. Je vais me faire ça avec du tofu. A savoir les gars que c'est peut-être pas le moment de vous l'annoncer, mais je remange un peu de viande. Et ça depuis un certain temps, mais je voulais pas vous l'annoncer en mode officiel, en mode c'est une grande news. C'est un peu compliqué à assumer étant donné que j'ai pendant un an pu manger de viande et que j'étais hyper convaincue par mon régime. Cela dit, j'ai toujours aimé la viande, donc ça c'était un problème. Quand on en mange autour de moi, j'étais beaucoup frustrée. Aussi pour atteindre mon quota de protéines maintenant que je fais du sport, je trouvais ça vraiment galère. Je sais pas si vous qui êtes végé ou qui essayez d'être végé, ça vous fait ça. J'ai été dégoûtée des steaks végé, de tous les trucs industriels. Et en fait, comme j'essaye vraiment de manger les trucs pas transformés, et genre ça c'est que transformé, et c'est vraiment pas bon au final pour la santé. Ça m'a vraiment dégoûtée, genre des fois je pouvais plus en manger, ça me dégoûtait. Donc quand t'essayes d'atteindre un quota de protéines, il y a les pois chiches, les lentilles que je mange toujours beaucoup, tout c'est ça, mais tu fais vite le tour. Donc j'ai commencé à manger de la viande quand même, pas aussi régulièrement qu'avant, mais quand même de temps en temps. Mais là je me suis acheté du tofu, ceux-là de chez Biotop, je les ai jamais testés. Et du coup je vais tester celui à la tomate et au fromage italien ce midi, je pense. Et je vais le faire cuire au air fryer. Donc voilà les gars, don't blame me for that. Je suis un peu déçue de moi-même dans un sens, parce que vraiment je suis convaincue qu'il faut moins manger de viande et tout. Vous allez encore vous dire que ça m'énerve en plus quand on commande ça. T'es pas toujours obligée de te justifier. Non mais je vous explique juste mon point de vue. Moi-même je suis déçue de moi, genre... Mais c'est trop dur. C'est vrai que ça me donnait envie la viande, donc c'est très dur dans un quotidien d'être très très souvent frustrée. Donc maintenant je mange un peu en fonction de mes envies. Au final, du tofu comme ça, bah ça reste un truc transformé. C'est quand même bien protéiné, c'est pour ça que j'ai acheté 14 grammes pour 100 grammes. Voilà, c'est pas non plus... incroyable, mais et je sais pas si au final une alimentation que vegan, à part si t'as le temps de cuisiner plein de trucs et faire tes steaks de ce que je faisais beaucoup, mes steaks végétaux moi-même et tout, même au resto et tout, c'est que des trucs transformés quand on me propose des options vegan. Et en fait ça me fait chier genre de manger mal, enfin je trouve ça compliqué. En fait, mon raisonnement, regardez les pâtes que j'ai mangées, elles sont trop belles, c'est des grosses pâtes comme ça. Je pense que ça va être grave. Je vais faire avec une sauce pesto rosso. Pendant que ça cuit, je mange un Babybel. Ça, c'est ma passion. Ça pour le coup c'est ultra transformé, mais c'est trop trop bon. C'est vraiment le petit truc que j'aime bien grignoter, vous voyez. Mais ça coûte cher. En fait tout a augmenté, mais quand j'étais choquée sur le prix des Babybel, ça rappelle trop quand on était petit. Assiette pour Arthur que je vais mettre à côté. Quand il viendra du coup il y aura du riz et du steak dedans. Moi je vais faire la sauce des pâtes là où il y a directement le tofu. Thank you.
les pâtes comme ça, ça fait très restaurant italien. Fancy plat, je dirais 8 sur 10. En fait, ces pâtes, c'est un peu l'arnaque parce que elles sont tellement grosses en bouche que tu sens pas trop la dose du coup. Mais c'est bon. Bon, j'ai fini de manger visiblement les pâtes. Clairement, c'était de trop. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais elles sont tellement énormes et fat, genre dans l'estomac, que bah je vais garder ça pour ce soir, je pense. Bon, les gars, connaissez toujours le même endroit. Le petit coin pour me préparer. Je vais partir sur un make-up, no make-up, mais vous me connaissez sûrement aussi. Je dis ça, et après, au final, je me maquille de ouf. Donc là, on va essayer vraiment de rester soft. Je vais aussi me coiffer en premier. J'ai un peu moins d'énergie que d'habitude, mais en même temps, je suis sous antibio, les gars. Je suis malade. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que c'était la maladie que j'avais et pourquoi je suis sous antibio. Parce que j'avais eu ça il y a un mois et demi à peu près aussi. C'est une espèce de rhino, je crois. En gros, quand ça commence à avoir le nez qui coule, vous toussez et ça remonte dans les sourcils. S'il y a des gens en médecine ici, vous allez vous foutre de moi. Mais la dernière fois, c'était carrément allé dans mes oreilles. Ça s'était infecté, donc otite et tout. Donc là, la médecin, elle a préféré me mettre direct sous l'antibio parce que j'avoue que je combats pas trop toute seule les microbes. J'avais un peu tout ce qui me passe sous la main pour les plaquer. Mais le main product, je vous l'ai déjà présenté, c'est ce gel Eco Styler. J'en ai pour une éternité avec ce robot parce que moi j'en ai pas beaucoup. Gars, voilà mon make-up, no make-up. Franchement, je pense que j'ai bien respecté le thème. On dirait vraiment plus que je suis malade là. Là, je suis peut-être un peu palote. Mais ça va. J'ai pas voulu trop abuser sur l'highlighter pour vraiment rester dans le thème naturel. J'ai quand même bien fait ma bouche, vous me connaissez. D'ailleurs, il y en a qui critiquent toujours en disant que mon overline, on dirait une moustache. Et ben, je m'en fous. Moi, j'aime bien comme ça. Mon contouring, je trouve que je l'ai bien fait. Snatch. Et j'ai juste mis un chouïa de mascara pour tenir mes cils, mais genre rien de plus. Donc voilà, je me sens bien propre, bien d'attaque à affronter cette journée. Il fait grave moche, mais mes cheveux sont plaqués, donc the bag is secured. J'ai fait tous les pantalons et les jupes, donc c'est déjà une grosse partie. Je vais pas tout faire d'un coup, sinon ça va m'épuiser. Je pense que j'y suis depuis 30-35 minutes. Au moins, c'est bien mieux rangé, ma partie pantalon, juste ici. Du coup, peut-être tout à l'heure, quand je reviendrai, je ferai mes sacs. Et demain, je vais faire mes vestes et après mes t-shirts. Il y a encore tout ce qu'il y a en dessous dans le lit. J'aimerais bien essayer d'arriver à faire tout ce week-end. Je serais trop contente et après je peux mettre tout dans l'appli. J'ai pas encore regardé comment ça marche, mais j'ai vu qu'on importait à partir de la pellicule, donc je vous montrerai au compte-gouttes. Le temps il est absolument horrible, les gars. Arthur il m'a dit: t'es sûr que t'as vraiment envie de sortir là? Genre, je vous dis pas, mais là j'ai l'impression qu'il y a un rayon de soleil qui arrive. C'est comme s'il m'appelait en mode: viens, sors dehors. Mais en vrai de vrai, si vous verriez le temps, vous-même vous serez pas sorti, genre. Il fait des rafales de vent et de la pluie, enfin je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est horrible. Arthur est en train de regarder une vidéo de PlayStation, laissez tomber, ça fait un boucan pas possible. C'est vraiment pour ce vlog si je sors, et aussi parce que je veux pas que quelqu'un d'autre achète la veste en cuir avant moi. Donc j'ai besoin de quelques minutes de réflexion et il faut que je me motive. Pour l'outfit, c'est pas très original, j'ai mon jogging qui va parfaitement bien se laver avec ma doudoune. J'ai aussi mis mes New Balance comme ça, les 550, et je vais mettre mon petit Balenciaga. En vrai, on est sur les mêmes thèmes de couleurs, mais c'est vraiment un outfit genre cosy. Oh, il pleut encore, qu'est-ce que je vais faire? En vrai, le mieux, ça aurait été d'avoir un truc avec une capuche. Le seul truc qui manque à cette doudoune que j'adore, vous le savez, je vous en parle tout le temps, c'est une capuche. En fait, j'ai peur de prendre un parapluie et que ça s'envole.
tellement il y a loin. Je vais mettre ceux-là. C'est parti, je suis équipée. Vite parapluie parce que je trouve plus mon petit, ça me met. Non mais quand je sors, il y a du soleil. Il est trop beau. J'ai rejoint ma copine Marg, mais je te montre pas parce qu'il est pas dans un très bon mood, donc je pense qu'elle a pas envie de se faire filmer, donc on va voir de ma gueule. Mais on boit le petit bubble tea, du coup j'ai une compagnon pour ma petite sortie. Bon les gars, c'est reparti, direction bon chic bonne fripe pour essayer de trouver la veste que je veux depuis grave longtemps. Il y a plein de jeans ici. Bon les gars, voilà la fameuse veste. Je sais pas si on verra bien, mais vous voyez comment le cuir il est usé, trop beau. Je vais l'essayer. Contente, elle est trop belle. En vrai, elle est encore plus belle que ce que je pensais. Genre, le fit, il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Je la prends direct. En vrai, j'y pense tellement depuis une semaine. Je regrette pas d'être venue. Regardez les vestes qu'il y a là. Bon, c'est pas forcément mon style, mais j'aime trop le canevas comme ça. Ils ont que des pépites ici. Encore une veste en cuir trop mignonne. Ça c'est du vrai cuir, il est genre super doux. Je peux pas tout prendre mais... Je viens de rentrer, je vous avoue que je suis morte parce que je suis quand même malade, on le rappelle. Donc là, vers la fin, j'avais des sueurs froides, genre j'étais épuisée. Les antibiotiques, ça épuise quand même pas mal. Je me suis acheté à la librairie 2 livres. Bon, je suis pas une grande lectrice, vous le savez sûrement. Je m'étais remise un peu à lire cet été.
et j'avais fini les livres que ma grand-mère m'avait passés. Du coup là, ça m'a trop donné envie parce que c'est une petite librairie de quartier, vous savez, où j'allais quand j'étais petite. Et bah il y a des bons conseillers. Du coup, elle m'a conseillé, j'ai demandé un truc qui se lit genre, attendez, je vais vous poser. J'ai demandé un truc qui se lit genre rapidement. Vous voyez, elle m'a donné des petits livres parce que quand c'est gros, ça me saoule au bout d'un moment. Et j'ai demandé un truc où t'as envie de savoir la suite, enfin, comme je pense beaucoup de gens, mais je veux dire un truc où vraiment t'es intriguée par la suite. Donc j'avais bien aimé des romans policiers et tout, donc elle m'a donné Blizzard, prix du meilleur roman, donc je pense qu'il est archi connu. Et c'est sur un fait de disparition en Alaska, mais genre vous voyez c'est vraiment pas beaucoup de pages. Et genre on suit la vie un peu des habitants de cette ville. Et j'ai demandé aussi du fantastique parce que en série j'adore tout ce qui est fantastique. Et du coup elle m'a conseillé ça. Il y a 6 tomes. Déjà le livre est incroyablement beau. Ça s'appelait Blackwater. Et à ce qui paraît... Je fais souffler, pardon. C'est écrit pour redécouvrir le plaisir de lire. J'avais le pur plaisir de lire, j'avais pas vu. Un roman romanesque où il y a des mystères liés au surnaturel. En gros, c'est après un tsunami, je crois. Il y a une femme qui réapparaît, genre des eaux et tout. Et en gros, il y a 6 tomes. Donc je suis contente parce que si j'aime bien et que je suis vraiment prise dans l'histoire, à ce qui paraît, c'est incroyable. Bah au moins, je pourrais acheter ceux d'après. Donc voilà, j'en ai acheté que 2 pour l'instant parce que... J'ai vraiment pas confiance en moi et ma lecture, mais déjà 2 c'était beaucoup, j'ai hésité, mais je me suis dit au pire ça me fera même l'été prochain, vous voyez. Donc j'ai acheté ça et j'ai ramené du bureau des chaussures que j'ai achetées sur Vinted. Au final j'avais dit que j'achetais moins, à chaque fois je vous fais des hauls. Mais là je commence à acheter sur Vinted des petites chaussures pour l'été en mode petit talon, bout pointu. Et là j'avais trouvé ce bon plan, c'est des chaussures Louis Vuitton. Vous voyez, il y a le petit carré Louis Vuitton ici. Je les ai eues pour 25 euros. Elles sont rouge bordeaux, donc c'est pas trop ma couleur de base. Mais en fait, là, de visible, vous avez juste les petites lanières comme ça. Vous voyez, et il y a le petit talon ici. Je pense qu'elles sont confortables. Et c'est des vrais Louis Vuitton, hein. Donc, bon plan. Bout carré, je les trouve grave belles pour l'été. Donc, j'ai acheté ça. Et aussi, j'adore mes bottes. Je sais pas si je vous les aviez montrées. Attendez. Ça, c'est mes bottes que j'ai depuis grave longtemps que j'avais acheté sur Vinted. Vous voyez. Celles-là, je les mets vraiment souvent avec des jupes et tout, comme elles sont assez plates. Et je me suis acheté un espèce de similaire, mais en léopard. Bon, pour le coup, là, c'est bout pointu. Et il y a un tout petit talon. Donc, je pense que c'est confortable aussi. Et je pense que ça peut faire grave cool avec une jupe pareille. Enfin, moi j'adore le motif léopard, donc voilà un peu ce que j'ai acheté sur Vinted. Celle-là, je les ai eues pour 8 euros. Pas cher. Bon, je suis grave fatiguée les gars. Je pense que je vais end le vlog ici parce que j'arrive même plus à parler. Je pensais tourner ma vidéo ce soir, vous savez, trend, mais je pense que je la tournerai demain parce que là... J'ai juste besoin de me poser, regarder des vidéos YouTube, petite série. En ce moment d'ailleurs, je regarde The Last of Us. Bon là, j'ai plus d'épisodes parce qu'ils sortent toutes les semaines. On les a déjà regardés cette semaine. Mais en série, je regarde ça et en truc un peu débile, je regarde The Perfect Match sur Netflix. C'est une télé-réalité. Mais ça, c'est vraiment quand genre je sais pas quoi regarder, je m'emmerde. J'avoue, c'est pas le truc le plus ouf, mais je préfère quand même les télé-réalités américaines que les françaises. Hein, on va pas se mentir, même si c'est des cassos, c'est un peu moins des cassos. Il manque le talon sur celle-là. C'est pour ça qu'elles étaient pas chères, je pense. Faut que j'aille les refaire. J'avais regardé aussi Séduction aux tensions avec ma pote. On avait grave pété des barres. En fait, les Américains, ils sont encore plus ouverts que les Français. Alors vas-y, ils disent des dingueries à la télé. Je regarde ça et je regarde aussi en émission comme ça Netflix. J'avais commencé le truc de Real Estate, l'agence. J'aime pas, franchement, les petits bourgeois français là. Bon, c'est beau pour les maisons qu'on voit, mais je trouve que c'est trop surjoué. Ah, bah je regarde Next in Fashion, vous l'avez vu dans mon dernier vlog. J'ai un peu tout ça et je regarde en fonction de mes moods. Voilà. Donc je vais aller faire ça. Je pense qu'en ce soir je vais manger les restes des pâtes que je me suis fait ce midi. On va pas faire compliqué. Et c'est tout, voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu, que vous avez kiffé passer une journée avec moi. J'étais pas en mode hyper énergique, mais bon, franchement, on repart quand même avec une veste incroyable. Je vous la montrerai de nouveau sur Instagram. Là j'ai même la flemme de la sortir. Trop heureuse de l'avoir achetée. Franchement là, je suis tellement heureuse. Je sens que je vais la porter de ouf. Enfin bref, je vous fais des gros bisous les guys et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !